bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé, avec ce soir Raphaël Mesrahi, Stéphane Pocra, Annie Lemoine, Maureen Dor, Arnaud Gidoire et Perry Cochard. Qu'est-ce qu'il y a, Perry? Tout de suite, d'attaque, vous levez le doigt, vous voulez parler, vous. Oui, je voudrais dire un truc, je voudrais avoir l'avis de tous. Ouais. Et du courrier, s'il vous plaît. Arrête. On aimerait savoir si vous êtes pour ou contre les bretelles apparentes d'Annie Lemoine. Alors là, je pense que la France va être passionnée par le sujet. Moi, je suis pour la bretelle apparente et le slip qui sort un petit peu du fut. Et Laurent, vous avez vu, il y avait un dress code aujourd'hui chez les filles. C'était jean et blouse. Pas du tout. Quoi, vous dites? Un dress code. Ça veut dire quoi, dress code? On devait être habillé d'une certaine façon. Jean et blouse. Mais là, c'est Pocahontas, là, attends. Maureen? Alors, pour ceux qui se poseraient la question, ma petite soirée Saint-Valentin avec mes petits célibataires, c'est très bien passé. Ah oui, vendredi soir. Et mes petits objets sextoys, mes petits jouets. Oh, j'ai trouvé des trucs très, très drôles. Voilà. Et sinon, c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui, alors je lui souhaite bon anniversaire, comme il a 2 ans. C'est là-bas, ouais. Stéphane Cotrin? Mais moi, elle m'avait pas invité à sa soirée de la Saint-Valentin. Elle n'est pas célibataire. Non, mais justement, comme ça, pour ceux que ça intéresse, moi aussi, j'ai passé une très bonne soirée. Vous allez vous préparer pour la manif de samedi, car je sais que vous étiez à la manif samedi. Ah ouais, j'étais à la manif et puis on était beaucoup, en plus. On va en parler tout de suite avec la photo du jour, puisque cette photo, c'est celle de cette petite fille photographiée samedi dans la manifestation pacifique avec la colombe de la paix dessinée sur son visage. C'est vrai qu'en pleine vacances scolaires, faire défiler les enfants dans les rues, c'est quand même le meilleur moyen d'avoir la paix. Il y a quand même 3 millions de personnes pour manifester en Italie, 2 millions de personnes en Espagne, 2 millions aussi à Londres et seulement, c'est vrai, 250 000 à Paris. Mais bon, en France, contrairement aux 3 autres pays européens, en France, il s'agissait de défiler pour dire qu'on était d'accord avec le président Chirac. Et ça, comme on l'a déjà fait l'an dernier au moment du deuxième tour de la présidentielle, on va pas le faire tous les ans non plus. Hein. C'est vrai. Et c'était comment l'ambiance alors, Pocrin? Ben, c'était bien, les merguez étaient bonnes. Alors, est-ce qu'il y avait des slogans marrants? Non, pas particulièrement. Non. Danielle Evenou, qui est allée à la manif, elle m'a téléphoné hier pour me raconter ça. Elle a dit qu'il y avait des trucs genre Bush. Comment c'était? Attendez. Parce que c'est comme elle emploie un mot pour un autre, Danielle, c'est pas facile de se rappeler. Bush, fais gaffe à ton Blair, il y avait. Ah oui, il y avait ça. Il y avait aussi un autre slogan, c'était « Bush, si tu continues, on t'envoie Sarkozy », c'était écrit aussi. C'est vrai ? Il aurait pu avoir « Bush, touche pas au babouche ». Non, mais bien vu, là. Ça aurait été mieux si vous m'aviez dit qu'à Bagdad, ils manifestaient en criant « à babouche ». Voilà. Pendant ce temps, en tout cas, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, racontait lui, regardez cette photo, ses derniers exploits de pêche à Chasse-Neuil du Poitou. Alors moi, j'en ai attrapé un grand comme ça. Bon, on ne sait pas trop hein, s'il parle d'un poisson ou de l'UMP qui veut attraper tous les petits partis dans ses filets. Mais ce qui est sûr, c'est que la cote de popularité de M. Raffarin a sérieusement chuté depuis son utilisation du 49-3. Qu'est-ce qu'il ferait pas quand même le Premier ministre pour voir la France d'en bas hein? Autre photo, celle de M. Dominique de Villepin, notre ministre des Affaires étrangères, dont le discours, vous le savez, à l'ONU samedi, a été unanimement applaudi par la diplomatie internationale. C'est vrai qu'il a été, j'espère que vous serez d'accord, plutôt brillant, notre ministre des Affaires étrangères. Ce qu'il ne faudrait pas, en revanche, c'est qu'il ait l'idée de réunir tout le monde au centre d'entraînement sportif de Marcoussis, parce que ça, ça ne nous a pas réussi, ni pour la Côte d'Ivoire, ni pour l'équipe de France de rugby, vous voyez. C'est vrai que... Il est plus fort pour l'Irak que pour la Côte d'Ivoire, manifestement. Stéphane. Les discours de Villepin, c'est toujours des grands moments parce qu'il mélange, il manie très bien la langue de la diplomatie internationale et puis au plein milieu d'une tirade, il peut sortir un bout de poème, une citation d'un grand auteur, tout ça. Et c'est vrai que là, il a réussi à concilier un style flamboyant qui est le sien et une espèce d'efficacité diplomatique. Donc même si je ne partage pas toujours ses idées, je pense que vraiment là, il est vraiment, vraiment excellent. Pourquoi vous m'arrêtez, Gidoine? Parce qu'à chaque fois qu'il dit cette phrase, j'ai reçu un courrier monstrueux, Stéphane. À chaque fois qu'il dit « je ne partage pas les idées »,
Mais je reconnais que, voilà, quand même. Et derrière, j'ai 10 personnes qui m'écrivent en disant « Mais c'est pas parce qu'on partage pas les idées de quelqu'un qu'il faut pas en dire du bien. Voilà. » Et je me dis que je dois pas être toujours très clair quand je m'exprime. Là, je partage pas toujours vos idées, mais je trouve que vous avez raison, Stéphane Pock. Celle qui illustre le paiement du premier tiers prévisionnel, vous savez, puisque c'est jusque ce soir minuit que vous pourrez vous acquitter de votre impôt sur le revenu, sauf évidemment si vous êtes mensualisé. Vous êtes mensualisé depuis quel âge, vous, Annie Lemoine? Oh, me parlez pas. Ne me parlez pas des impôts, j'ai des ennuis. C'était pas les ennuis, t'as vu? J'ai compris. Ne me parlez pas des impôts. Le jour de la Saint-Valentin, j'ai reçu une lettre du Trésor public. Et... C'est pas vrai. Ouais. Ma chérie, mon trésor. Ça s'annonce très mal. C'est pas grave. Dernière photo, celle de Renaud, qui a reçu, vous le savez, 3 victoires de la musique. Mais bon, il s'y attendait un peu, manifestement, puisque regardez cette preuve sur la photo. Il s'était fait une teinture identique aux couleurs des statuettes. D'ailleurs, pour cette cérémonie, il valait mieux être blondie que brunie, parce qu'elle, elle est repartie sans rien. Hein. Non, mais il est vachement bien, Renaud. Il a dit « J'espère que je ne serai pas obligé d'écrire une chanson Manhattan-Bagdad. » Ça, c'est vrai. Il a été très bien. Et il a d'ailleurs précisé aussi que ses victoires étaient une victoire contre la dépression et l'alcoolisme. Il a raison. Moi, je le dis à tous les dépressifs, si vous allez chez le pharmacien, vous demandez 3 victoires, même avec une ordonnance, c'est quand même pas sûr que vous en sortiez. C'est vrai. C'est pas dû à tout le monde, quand même. Il a de la chance. Autre bel hommage dans cette soirée des victoires, cet hommage rendu évidemment à Serge Reggiani, 81 ans. Un hommage mérité, même si hélas aujourd'hui, on peut le dire, il ne chante plus aussi bien qu'avant. C'est pourquoi moi je dis, Jennifer, on devrait lui donner un hommage pour l'ensemble de son œuvre dès maintenant. Parce que dans 60 ans, on ne sait pas comment il chantera. Hein? Pour terminer sur les victoires, signalons aussi que Indochine a reçu une victoire, mais hélas, le général Bijard n'est pas venu la chercher. C'est drôle. Samedi soir, vous le savez, c'était sur notre chaîne, ont eu lieu les 18e victoires de la musique au Zénith de Paris. Je vous rappelle le palmarès, Renaud a raflé 3 victoires. Vincent Delerme et San Severino ont été consacrés petits nouveaux prometteurs de la chanson. Chez les femmes, c'est Natacha Saint-Pierre et Linda Lemay qui se sont illustrés. Enfin, Serge Reggiani a été récompensé pour l'ensemble de son œuvre. Serge Reggiani, 81 ans, avec quelques années de plus, il coiffait Henri Salvador sur le poteau. Dan Bolander était sur place aussi aux victoires de la musique avec un canard. Il a testé pour nous faire un clip de star. Il était au Zénith, regardez cette caméra cachée par Marcel Bélanger. La danse des canards, 375e prise, action! Bonjour, ici Dan Bolander, victoire de la musique. J'ai testé, réalisé un clip de star. Hein, mon canard? Ouais, ouais. On est en train de tourner un clip de star, hein? Ouais. Et c'est pour promouvoir la chanson française dans le monde entier, donc on a pris la plus belle chanson française. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais on a les paroles, on a la musique. C'est pas la danse des canards. Silence, s'il vous plaît! Natacha Saint-Pierre, action! Go! C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin coin. Fait comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez le potetin off sa couette. Coupez! La fête! Comment ça, couper? Je sais pas si vous avez eu un doute là sur un mot. Ben non, pas du tout. Action! C'est la danse des canards. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mer, coin, 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 coin. Bon, ça va maintenant, hein? Et pour que tout le monde se marre, remuez le popotin en faisant coin, coin. Prenez-en les vieux genoux, redressez-vous. Coin, coin. Ça manquait un peu d'entrain, quoi. Mais c'est une interprétation particulière. Oui, oui, c'est votre style. Chacun son interprétation. C'est la. Qui en sortant de la mare se secoue le bas des reins et font coin coin. C'est la danse et pour tout. Je sais pas c'est quoi. En faisant coin coin. Allez, mettez un coup. Maintenant, redressez-vous. Ok, c'est le fun. Tournez seul à la fête. Bras dessus, dessous. On est en train de faire le clip vidéo, un clip de star. Dans les coulisses des victoires de la musique. Et alors, on aurait besoin de votre part que vous participiez. Bien sûr, mais certes, dites-moi ce que je peux faire. Voilà, c'est très gentil de votre part. Action ! Les paroles sont là. Et vous chantez pas avec moi, vous ? Coupez ! Non, mais si je chante pas avec moi, c'est pas la peine. Non, c'est un duo, moi j'ai l'habitude des duos. Action !
C'est la danse des canards. Non, c'est là. C'est la danse des canards. Qui en sortant de la mare. Axel Red, action. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se cousse. Faites comme tu dis, les petits canards. Et pour que tout le monde se marre, remuez les popotins et se. Je connais pas. Je fais juste ça. Non, 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 c'est pas la meilleure chanson française. Je suis pas d'accord. Non, c'est la plus belle chanson française. Non, 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 je suis pas d'accord. Ça va décevoir le canard. J'emmerde votre canard. Je ne chanterai pas ça. Faites comme les petits canards. Et pour que tout le monde se marre, remuez le popotin. Et n'oubliez pas de faire point point. Bravo à Dan Bolan d'Or. Merci à tous les artistes qui se sont prêtés au jeu. Et celui que vous venez de voir se lancer dans sa version à lui de la danse des canards va nous rejoindre sur ce plateau. C'est le seul rappeur au monde qui parle encore moins vite que Raphaël Mesrahi. Il a reçu la victoire de l'album Rap Hip Hop avec Solitaire, son album sorti au mois d'août dernier. Doc Gineco vient nous interpréter ce soir son dernier single, Frotti Frotta. Hola Otelier, dis-moi ça qui a passé. Hola Otelier, bébé, laissez-moi souffler. Hola Otelier, tu peux venir chercher moi, mais où peux-je arriver? Hola Otelier, moi j'apparais. Hola Otelier, moi bisous zouké. Moi débattre avec un gentil flec. Qui dit moi Bruno, donne-moi du coco. Oh. Ça, ou qu'à plaire mais c'est comme ça. Réunion, Martinique et Guadeloupe, West Indies, je vais rentrer. Mon pays est au milieu de la mer. Je suis Guadeloupéen, je veux revoir ma terre. Frotti, frotta, si toutes les filles ont ce teint doré, c'est que mon soleil les a caressées. Donc j'y ai que l'homme vanillé. Frotti Frotta, dernier single extrait de l'album Solitaire. Salut Doc Gineco. Ça a dansé, hein, ça a dansé. Il y a eu des Frotti Frotta dans tous les coins voilà. Du studio. Ah, c'est vrai que c'est un zouk ça alors? C'est très zouk, oui, c'est l'amour en dansant. Vous nous avez même pas amené votre victoire? Si. Ah oui, vous l'avez? Oui, elle est ici, faut que tu l'arraches. Je regarde un peu la liste des autres nominés dans la catégorie rap, hip-hop. Est-ce que vous les connaissiez, vos petits camarades, là, qui ont failli avoir une victoire, mais vous les avez grillés sur le poteau? Bon, Lady Lesty, ça, j'imagine que vous la connaissez, elle. Non. Non? C'est vrai? Sérieusement? Non, pas du tout. Ça veut dire que vous connaissez pas forcément tous les autres rappeurs et tous ceux qui sont dans votre catégorie? Oh, je suis moins calé que toi. Non, mais attends. Mais je suis surpris parce que Drucker les connaissent pas, mais vous... Non mais Laurent, excuse Laurent, pardon, Laurent. C'est normal, je pense qu'il a un petit problème d'ego surdimensionné. Dans ses chansons, c'est d'ailleurs, vrai, dans son dernier vrai. Album... C'est la gloire qui inverse mes sens. Ah, d'accord. Non, 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 non. Ouais. Bon. Je me sens prise au piège à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir le dessus. Ah bon? Mais je me trompe, je le sais. Maureen. Moi, très étonnamment, parce que je pensais pas que ça allait me plaire, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cet album. Parce que je suis pas très rap et puis votre côté, je suis tellement mou, je suis surmou. Alors qu'en fait, quand vous chantez... Je suis surmou. Il y a le fait... moi et le surmou. quand vous chantez, je trouve, enfin, dans cet album, c'est pas mou. Et de tous les chanteurs qu'on reçoit, vous êtes le deuxième disque que je vais garder. T'es pas obligé. Parce que... ouais, ben... Je sais bien que je suis obligée.
Annie Lebon. Je trouve que ce qu'on a entendu, c'est pas vraiment à l'image de l'album finalement, parce que c'est très. Moi, j'étais surprise aussi, comme Maureen, il y a beaucoup d'énergie dans l'album, et ça sonne, les intros sonnent presque américaines, vraiment américaines. Funk, ouais. Soul. Et puis tout à coup, il y a un type qui se met à parler en français, c'est vous. Et il y a vraiment deux images pour moi, et c'est très imprégné de la musique américaine, non? C'est pas une insulte que de dire ça. Well, yes. Oh, tu sais la traduction. Super nul en anglais. Ouais. Les versions originales des titres sont connues. C'est des samples qu'on reprend pour rendre hommage à la musique. Et on chante dessus, mais en France. Je crois que par-dessus tout, moi, ce que j'aime, c'est votre regard sur la télé. Et vous en faites maintenant en plus. Et vous dites, j'aime le poste, ça endort. Et j'aime les débats pour voir les gens nager dans l'aquarium dans mon salon. Ouais, c'est marrant. Les haïs. Salut. Alors, on a un point commun tous les deux, bon, on est des très grands nerveux. Est-ce que tu connais l'histoire du dromadaire qui rencontre un éléphant? Non. Ah, moi non plus. Alors donc, quel est le rappeur que tu détestes et quel est le chanteur que tu détestes? Moi, j'écoute à peu près tout. Je déteste tout ce qui ne diffuse pas de messages réels. Et incompréhensible. On peut le dire, parce que c'était dans les journaux, on se dit que tu dois détester Joystar. Il paraît que même c'est même toi qui as eu le dessus sur la baston, c'est ça qui a étonné tout le monde plutôt. Ouais, j'ai copié le jeu de jambes à Mohamed Ali. C'est vrai. Non, mais c'était un coup de pub. Peut-être de l'autre côté, moi je suis pas un bagarreur, je sais pas me battre. Si, il paraît que. Non, que t'as étonné tout le monde je avec. Mouille très vite, moi. Stéphane Coquerin qui n'a pas parlé encore. Mais moi, je suis embêté, mais je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je n'ai pas du tout aimé l'album. Voilà. Aïe, je le dis, comme ça, c'est dit. Et... Aïe. Vous êtes un jaloux. Non, justement. C'est un ancien rapport lui-même. Hein. Mais moi, j'aime bien notre vidéo. C'est vrai, rigole pas. J'aime plutôt bien ce que tu fais d'habitude. Et dans ton premier album, il y avait, sa personne l'a dit, dans première consultation, tes textes, ils étaient excellents. Il y avait des vrais textes, des trucs comme ça. Tu dis, cet album me protège de première consultation parce qu'il me laisse. Neuf intègre pour moi. Je me suis trop donné sur première consultation. Vraiment, c'est. Donc maintenant, tu as choisi de te dissimuler derrière les clichés sur les cocotiers, les filles qui dansent et tout. C'est la fête, mon credo en ce moment, c'est que justice soit faite. Mais FETE, je ne peux plus. M'engager sur des combats récupérés. Et bien moi, j'attends que tu t'engages à nouveau sur des combats, parce que quand tu le fais, t'as plein de choses à dire. Aide-moi. Thierry, pour conclure. Pour conclure, votre côté un peu mou du genou, comme ça, que vous affichez, est-ce que vous n'en surjouez pas? Moi, je crois pas qu'il en surjoue. Hein. Si, je suis sûr qu'il en surjoue. C'est une vraie nature, il est comme ça. Quand vous vous blessez, il y a quand même un truc où ça fait aïe, ou vraiment un truc genre aïe. Quand je crie aïe, c'est l'autre qui me dit qu'il m'a fait mal. Dites plus que chez Marco sur l'autre chaîne sur la 3, vous, autre chaîne est néanmoins amie puisque c'est les services publics, vous faites une lettre, une déclaration d'amour à une des invitées. Là, s'il y en avait une des trois qui vous aimeriez faire une déclaration d'amour, laquelle vous choisiriez? Annie, Maureen ou Perry? Depuis tout à l'heure, Perry. Pourquoi? Mais j'adore Annie. Ah! Vous avez échappé belle, vous. Maureen, on y va, nous. On va y aller. Donc, ah bah voilà, bah ça c'est clair. Plutôt Annie Lemoine, alors. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de plus, peut-être mystérieux, peut-être plus... Moins maquillée, plus naturelle. Elle est très belle. Prends ça dans la gueule. Regardez-la. Elle graisse. Oh non. Quand la partie commence... Quand la partie commence... Là, vous avez 1h30, hein. J'aimerais saisir ta présence. Et qu'avant que tu partes, tu me fasses un sourire. Oui, j'aimerais qu'il sache que tu vas me revenir. Mais arrête de miauler, toi, enfin, là, regarde-toi. T'es ridicule. Son album. Son dernier single. Frotti Frotta, c'est l'amour qui contrôle.
Et en plus, il est auréolé non seulement d'abonnés, mais d'une victoire de la musique. Bravo, Doc Gynéco. Bravo, Doc. Annie, vous devriez ramener Doc. Vous devriez ramener Doc, Annie. Voilà. Ouais. Mais il reste. Je vous ai dit de le ramener en coulisses. Oh. On va partir ensemble alors. Voilà. Tout autre sujet, vous allez le voir. En effet, si vous êtes fait mal ou que vous ne vous sentez pas très bien, eh bien, Diego de Izara vous propose un nouveau traitement. Ce traitement s'appelle la fromagéothérapie. Riez pas, c'est très sérieux. Faut pas s'emballer non plus, hein. Cette médecine n'est pas encore reconnue par les grands scientifiques, évidemment. Mais selon les dires de ce monsieur, traiter ses bobos avec du fromage, ça marche. Il suffit en fait de piquer le fromage au bout d'un cure-dent, comme ça, et de le passer lentement à environ 1 cm au-dessus de la partie à soigner. Plus ça sent fort, mieux ça marche, il paraît. Faut dire qu'un camembert sous le nez pendant 2 heures, ça te donne envie de guérir, c'est sûr. Pour tester ensemble, car c'est très sérieux, la fromagéothérapie, accueillons tout de suite son inventeur, qui n'est pas fromager mais instituteur au départ, monsieur Diego de Izara. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Alors je dois dire, quand on m'a parlé de ça la première fois, je n'ai pas voulu y croire. Oui, c'est pas évident, mais c'est vrai que je dirais en préambule que vous êtes là pour me mettre en boîte et moi je vais essayer de vous emballer. Ah très bien, parfait. J'essaie un peu de faire du Ruquier. Ça démarre bon. Fort. Mais c'est parce que nous vous reblochons. Alors... Non. Alors... Vous allez avoir besoin de savoir comment ça vous est venu l'idée qu'on pouvait soigner avec du fromage, parce que quand même ça vient pas à l'idée de tout. Tout à fait au départ, c'était la table avec ma femme et nos enfants. Et puis, ma femme a eu le hoquet. Alors aussitôt, ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau de fromage, puisqu'on était au fromage. Bon, si on était au haricot, il y aurait eu la haricothérapie, et peut-être que ça n'a pas fonctionné. Mais là... Là, je crois qu'on a eu... On a eu énormément de chance puisque c'était au fromage. Ouais, alors j'ai pris un morceau de fromage. Ils sont OK à passer. Ben, j'ai pris le morceau de fromage et comme ça je lui ai passé devant, mais vraiment en riant. Oui, mais on sent très bien qu'elle s'est concentrée sur le truc. J'ai l'impression que vous êtes un grand malade. Je vais prendre un petit peu de. Ah, je vais déjà mieux là. Je vais déjà mieux. Le fait de passer le fromage, ça enlève l'attention qui est portée sur la douleur et on fait attention au fromage et on n'y pense plus. Et c'est pour ça que vous dites qu'on est guéri. Sinon, courez vite à l'INPI et allez breveter votre truc, parce que si c'est aussi génial... Imaginez que ce soit le nouveau Pasteur qu'on est là. Mais qui court vite à l'INPI breveter son truc. Mais parce qu'elle va le faire, sinon. Alors, je vais vous dire une chose. Non, mais je vais vous dire une chose. Bon, je ne suis pas du tout dans la partie thérapie, quelle qu'elle soit. Par contre... J'ai découvert ça. Alors au départ, on s'est dit, c'est quand même curieux. Voilà, et ça n'a rien à voir. Et selon les fromages, le fromage de chèvre est mieux alors, quand on a des bleus et le fromage après, de vache. Après, j'ai essayé un petit peu et finalement... Le fromage gravé pour les bleus. Le camembert, m'a semblé le plus efficace, d'accord. Ah oui. Alors maintenant, ça dépend pour dans quel domaine. Ils sont tellement mauvais qu'on est absorbé par l'odeur. Non, c'est pour le rhume. Contre le rhume, il n'y a pas de problème. Vous prenez du Minster, vous êtes guéri aussitôt. Vous en voulez? Non, j'en veux plus. Et la fondue pour les cheveux, c'est bien, non? Pour avoir une forte poitrine, le boursin. Oui. Bravo! Bravo! Parce qu'il y a Raphaël Mesrahi, je crois qu'il est très tendu en ce moment, parce qu'il faudrait le relaxer. Est-ce que vous avez le moyen de le relaxer? Oui, alors le moyen, disons, peut-être une solution. Et ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est une de mes tantes qui fait ça régulièrement. Ouais. Et depuis que j'en ai parlé, eh bien, elle me dit je me sens beaucoup mieux. Alors, voilà ce qu'elle fait. Alors, vous allez relaxer Raphaël. Voilà, je sais pas si... Oui, elle a quand même besoin. Je vois tendu. Alors, allongez-vous. Alors, voilà, on le met là. Donc là, vous vous relaxez pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et ben, vous allez ressentir certainement un bien-être, vous voyez. T'as vraiment l'air d'un con. Il faut faire l'expérience. Et con. Tu pues, mais t'es tranquille. Ça, vous imaginez qu'il revienne avec un corbeau? Oui. Vous y croyez, Stéphane? Ah, non, mais non seulement j'y crois, mais il y a un célèbre J'y crois. Non, mais il y a un célèbre fromage qui fonctionne très bien. C'est pour ça qu'il porte ce nom-là, pour déstresser, c'est la vache qui rit. Oui.
Maureen, vous y croyez? Je crois au fait quand la main palpe, quand la main touche le muscle, j'imagine. Ça oui. Je ne crois pas. Mais même que vous savez, on utilise aussi les trucs avec les. Vous avec toucherez les droits d'odeur, Raphaël. Il est hyper relâché. Non, mais le problème, c'est que. Je vais vous dire. Le problème, c'est que j'ai l'impression d'être avec mon ex, quoi, c'est ça. Oh. Mais personnellement, je ne. Oh, faut bien se marrer, ça putain. Ah, mais c'est cool, hein, ce que. Je ne demande pas qu'on y croit. C'était la belle des champs. Je suis pas en train de dire il faut y croire, il faut. Non, je suis pas là pour convaincre, je suis là pour quelque part poser le problème. Annie, vous y croyez? J'ai du mal quand même. Pour les gens sourds, il paraît que ça marche. Plaisir. Je sais pour que les si... gens atteints de surdité, pas totalement sourds. Comment? De légère surdité, le rock oui. Fort, il paraît que ça marche très bien. Arnaud, il a un problème à la cheville. Racontez ce que vous avez, Arnaud. Bah, je me suis blessé à la cheville au théâtre. Donc oui. J'ai eu une entorse et là, je suis en pleine. Croissance. On va les on va essayer. Des petits soins chez le kiné, mais si vous voulez bien me passer un petit coup de. Alors, je vais essayer. Sur la cheville. Ça va faire ton sur ton. Oui. C'est le fromage qui va être en meilleure santé. Alors je tiens à rassurer mes proches, ce n'est pas mes pieds qui sentent. Ah, je sais pas. Alors donc, ce que je vais faire, je vous dis, je vous ai montré tout à l'heure ma main, donc je vais faire la même chose. On a un peu l'air con quand même, hein, tous. Oui, Diego, vous êtes instituteur. Oui. Vous pensez à vos élèves qui vous regardent. Ah, les pauvres. C'est terrible. Allez-y, alors j'y vais. Donc, parce qu'Arnaud souffre beaucoup. Donc voilà, donc je passe. On a du mal à y croire, monsieur. Non, mais je sens un rayonnement, là. Il n'y a aucune overdose possible. Arrêtez, et on donc... peut le faire soi-même. Alors, non, on peut le faire soi-même. Il le fait lui-même. Par contre, il vaut peut-être mieux le faire par quelqu'un d'autre, parce que là, on est plus détendu, vous voyez. Donc, il y a Mesraï qui est en train de mourir, dites-donc. Je crois que pour lui, c'est râpé. Par contre, ici, vous voyez, on a fait travailler avec deux hommes. Or, pour la fromagothérapie, je préfère travailler avec les dames. Ah bah, Perry, allez-y avec Perry. Je préfère avec les dames. Allez, tu vas avec les dames, hein, très joli, oui. Ah, Perry, c'est génial, tu pues, mais t'es cool. Ah, c'est un jeu de mots, mais cool. Il le pose pas dessus. Tu pues un peu, mais t'es cool. Donnez, monsieur. Ah, Perry, y a pas de problème, oui, j'accours. Alors, je voulais essayer. J'accours. Alors là. Ça s'appelle les masters de la médecine. Là, j'ai un. Ça va mieux, hein. Ça doit chauffer, normalement. Mais est-ce que vous sentez quelque chose? Oui. Ben, vous, tu sens quelque chose? Oui. Mais tu sens le fromage? Non. On a perdu Raphaël. Je sens. Vite, on a perdu Raphaël, aidez-moi. Sauf qu'il n'y a personne et... Il n'y a personne qui va vouloir lui faire du bouche à bouche. Hein. Raphaël, tu vas sentir ça très fort, tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller. Voilà, Raphaël. Viens avec nous, Raphaël. Combien j'ai de doigts, Raphaël? Monsieur Diego de Izarra, oui. Est-ce que sérieusement, à part vos enfants et votre femme, il y a des gens qui vous prennent au sérieux aujourd'hui? Ben, si je... Raphaël, allez à votre place. Encore une fois, si j'étais un professeur de médecine, une faculté ou autre, ou quelqu'un qui a beaucoup de charisme, oui, les gens me croiraient davantage. Je vous dis, je vois... Écoutez, on m'a posé la question. Ça comment mieux, fait-il hein. Ça va mieux. Sérieusement, ben vous voyez. Mais sérieusement, ça va mieux. Pour la migraine, ça marche, par exemple. Alors, par exemple, personnellement, je suis très migraineux. Ah. Eh bien, ça n'empêche pas, je prends des médicaments contre la migraine. Par contre, je rajoute quand même un traitement avec le fromage. Moi, je pense qu'il y a une grande partie de psychologie. Voilà, voilà. Mais qu'est-ce qui peut influer? Je n'en sais rien. Arrête. J'ai constaté... T'es con, arrêtons. Vous devriez aller voir des vrais chercheurs, dont c'est le métier... qui vont vous aider dans votre Imaginez, je pousse la porte d'une faculté de médecine et je viens avec ça. On va me rire au nez. Non. Alors qu'à la télévision, vous pouvez venir nous emmerder avec vos conneries. Exactement. Bravo. Mais monsieur... Si monsieur avait des fromages, il cherchait des cloches. On nous a donné le tableau du rayonnement bénéfique des fromages avec des chiffres. Alors, ça sort d'où, ça? Alors, j'ai regardé, j'ai testé, et puis ensuite, de façon intuitive. Cette intuition que Descartes appelait l'intuition a posteriori raisonné. C'est-à-dire que vous avez une intuition, et ensuite, vous vous rendez compte que, quelque part, elle va se vérifier. Et quand l'inspiration musicale vient un peu moins aussi, ça marche, je crois. Il faut essayer. Je pense que tout quand... est ouvert pour la recherche. Alors allons-y pour chercher. Allez, quand allez. Mozart est là. Ah. Ouais. Oh, la vache. Quand Mozart est là.
Bon, bah écoutez, je crois que vous méritez vraiment une raclette. Mesdames et messieurs, nous recevions ce soir l'Elisabeth Tessier du Calendos. Merci. Au revoir, Laurent. Au revoir, tout le monde. À partir du 26 février, vous pourrez aller voir Putain de soirée au théâtre du gymnase Maribel, une comédie écrite et mise en scène par Daniel Collat. Les acteurs, vous les connaissez forcément, de Roland McDan à Linda Hardy, ex-Miss France, Franck de la Personne, et évidemment, la reine du boulevard, Marthe Mercadier. Putain de soirée est d'ailleurs une pièce pas comme les autres. Elle devait être jouée par Smain et Anémone, puis a été reportée. Smain avait renoncé au dernier moment. Patrick Chenet l'a remplacée au pied levé pour quelques semaines. Et puis la pièce s'est arrêtée et elle reprend. Maintenant, enfin, avec une putain de distribution, pour tester ensemble cette pièce, recevons une putain de comédienne, Marthe Mercadier. Bonsoir Marthe. Bonsoir. Bonsoir. J'ai dit que vous étiez la reine du boulevard. C'est vrai, hein, dès qu'il y a une pièce, on sent qu'il y a un peu de mal, paf, on appelle Marthe Mercadier, elle arrive, SOS Théâtre. Non, absolument pas. Non, mais j'aime bien jouer des pièces que j'ai vues. Mais c'est, oui, alors les actrices ont horreur de ça. Mais quand je peux m'asseoir dans une salle, regarder un spectacle et dire, tiens, ah, on me le propose, ah, je vais faire toute autre chose. Ah, ça oui. va. Oui, non, mais... Ah ben... Vous savez, c'est une alchimie très compliquée, le théâtre. C'est féerique, c'est imprévisible. Et puis, il y a des spectacles qui sont marqués par des épreuves, par des... Bon. Et puis, il y a des acteurs qui signent pour un laps de temps assez court. Enfin, là, notre producteur, avec notre ami Anémone qui s'est cassé le pied, qui jouait avec un courage, avec des attelles... Anémone, elle s'est cassé le pied ou elle avait cassé les pieds? C'est Radio Ragon. Je sais, l'histoire de cette pièce est incroyable parce qu'on peut raconter au départ quand même. Oui, moi je suis une spectatrice. C'est un homme d'affaires ruiné, c'est ça, oui. Qui se voit contraint de vendre en urgence son hôtel particulier. Là, oui. C'est Roland McDan qui joue et oui. Je crois que c'est Bernard Tapie qui devait jouer au départ cette pièce. Apparaît-il, oui. Parce que ça lui allait bien, le coup de l'hôtel particulier qu'il fallait revendre parce qu'il voilà, était ruiné. Voilà, ça lui allait même trop bien. Donc ça, c'est vrai. Donc ça, c'est Tapie. Alors après, il y a Smain. Et puis ensuite, l'auteur a joué le rôle. Ensuite, enfin, c'est toute une épopée. Et maintenant... Maintenant, ça y est. Le producteur... Il a beaucoup de talent. Philippe Hersen, beaucoup de courage. Enfin, bref, il a réuni une autre équipe. Une équipe, alors là, c'est drôle aussi parce que... On ne peut pas en placer une avec vous. Pardon. C'est drôle. Non, mais là, il y a une belle astuce. Oui. Franck de la Personne, comédien très drôle. Oui. Roland McDan, on est ravis de le revoir. Qui avait envie de faire du théâtre. On a vu son one-man show à Montréal cet été, il était formidable. Ah oui, ah oui. Et ah vous, oui. Donc, et Linda Hardy. Linda Hardy, ouais. Alors là, je vais pas là, bien que je dise toujours, elle a tourné des films, elle a tourné H avec Jamel, Eric et Ramsey. Et Ramsey. Paragon, c'est elle, Ramsey. Et elle va avoir un film qui sort au mois de novembre, La femme piège, d'Enki Bilal, et produit par Sagasso. Ils vous l'ont fait exprès. Voilà. De non, c'est elle qui m'a... Non. Oui, non, elle vient d'être engagée. Elle est très jeune, elle est belle, elle est grande, elle est brune, mais je ne vais pas abréger sa carrière. Marthe Mercadier, je peux vous poser une question? Oui. Comment vous faites pour avoir une telle énergie? Parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je vous vois... à la télé, tout ça. C'est votre grand-mère qui vous a raconté ça. Non, pas du tout. Vous m'avez pas vu depuis longtemps. Je voyais déjà, quand j'étais petit, je regardais au théâtre ce soir. Oui, oui. Et vous êtes pétillante comme quand j'avais 5 ans, donc comment vous faites, quoi? Oui, oui, oui. Eh bien, j'ai eu beaucoup d'épreuves. J'ai été infirme à 8 ans et demi, couché sur une planche pendant un an et demi. J'ai regardé le ciel et les nuages. Dans quel théâtre? Et puis au-dessus de moi, je m'étais cassé la colonne vertébrale. Et puis au-dessus de moi... Toute une carrière sur les planches. Oui, pas tant. Et pas tant. Au-dessus de moi... À chaque fois...
fois que vous êtes sur les planches, il y a quasi un succès. Moi, j'étais allé vous voir dans Le Squat avec Claude Jansac. Oh, oui. J'avais adoré cette pièce qui avait quand même fait 600 représentations. Vous l'avez dit, c'était très gentil. 600 représentations, c'est assez incroyable. 600, oui. 600 au Théâtre de la Madeleine. Ouais. Quand je vous ai vu dans la Javel, j'en ai acheté. Oh, et pas tant, ça. Ah oui, j'avais oublié la Javel. Ah, dis donc. 6 ans! Vous connaissez Marc Mercavi, Annie Lemoine? Ah, bien sûr, c'est vrai que c'est de l'énergie à 200%. Et moi, j'ai cherché aussi l'origine de votre énergie. Et j'ai vu, en fait, c'est peut-être génétique également, non? Un grand-père qui est président de la Société des auteurs et compositeurs qui vous emmène voir Josephine Baker et traîner dans toutes les coulisses. Aussi, oui. Et puis, un père qui est un fou furieux, un pilote d'essai qui vous fait essayer. Vous êtes casse-cou, en fait, dans la vie. Oui, vous êtes très. Vous avez commencé comme cascadeuse. Oui, parce que j'étais debout, parce que j'étais vivante. Et que j'étais tellement contente de l'être. Vous comprenez? Et quand vous étiez cascadeuse, vous faisiez quoi comme cascade? Oh, ça, c'est drôle. Oh, ça. Deux acteurs ont dit, Marthe, on a tourné avec elle. Chacun, on lui a passé 7 fois dessus. Alors. On le sait, il y a eu quelques reines du boulevard qu'on a reçues ici. D'ailleurs, on a reçu tout récemment Maria Pacôme, on a reçu Sophie Desmarais qui a écrit ses mémoires. Oui. Faites partie de cette liste de comédiennes bien sûr. Sur lesquelles on pouvait créer une affiche de théâtre en se disant, de toute façon, il y aura du monde qui viendra. Ouais. Et elles ont un point commun, Maria Pacôme et Sophie Desmarais, que vous n'avez pas, c'est qu'elles disent, oh, ce métier, ça me fait chier, aller au théâtre tous les soirs et ceci. La même chose. Vous, alors, c'est pas votre cas. Écoutez, ce sont mes amis, on a joué ensemble et je pense que c'est une coquetterie. C'est une coquetterie. Parce qu'elles y vont à fond. Elles y vont avec tout leur cœur, elles aussi. Mais elles ont trouvé plus marrant de dire « Ouais, ouais, je viens de temps en temps. » Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est génial. Ouais, c'est... Maureen. Dites-moi, où est-ce qu'on puise l'envie tous les soirs pendant 3 ans de jouer la même pièce? Je vais vous le dire. D'abord, je ne joue pas devant les mêmes personnes. C'est très important. Donc, oui, parce que sinon, il faudrait les payer quand même. Vous venez par vague. Deuxièmement, j'ai l'impression, l'illusion de faire des progrès. Et que je joue mieux à la 300e ou à la 500e qu'à la 20e ou à la 50e. J'ai encore une question. Voilà, c'est simple. Dernière question. Souvent, elle est presque aussi bavarde que vous, la petite, là. Les comédiens... Mais je me tais quand vous voulez, Ruquier. Surtout pas. Les comédiens stars du théâtre un peu plus âgés, les Jean Lefebvre, les Robert Lamoureux, sont connus pour être des types qui, sur scène, peuvent complètement changer le texte s'ils le veulent. Et j'ai l'impression que les grandes comédiennes de votre âge, etc., ne font jamais ça, que c'est propre aux hommes de croire que le rôle leur appartient et que... Non, ce sont deux écoles différentes. Mais très différentes. Hein. Nous, on a été mis sur rail avec la rigueur, puis ne pas surprendre les partenaires et tout ça. Ça a son bon côté, mais j'ai fait des rencontres fabuleuses comme 3 ans avec Poiret Serrault dans Sacré Léonard. Et là, alors, nous avions 3 versions. La version pour un public introverti, sobre, charmant, qui riait, qui applaudissait très bien. On finissait à moins 20. voilà. Deuxième version. Ah, oh, ils étaient bons ce soir. Ils disaient, oh, quelle heure est-il? Oh, ben, il est moins 10. Ah, ben, très bien. On avait... Alors là, c'est l'improvisation. Mais une improvisation codifiée par deux génies, Poiret et Serrault. Et alors, la 3e version, c'était le samedi soir, là. Alors là, ils improvisaient, eux. Nous, on avait nos charnières, on répondait, on était dressés, on avait répété. Et alors là, c'était minuit 10, avec le directeur qui disait, c'est pas possible. C'est vrai. Et les gens debout. Mais comme vous pouvez parler pendant des heures de plein de sujets, si je vous dis par exemple voiture. La voiture, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah bah un accident, ah oui, un accident. Ah oui, j'avais oublié. Oh, incroyable. Bon, j'ai un peu flirté avec Fangio, qui m'avait dit, si tu dérapes, la semaine dernière, il y a 40 ans, et il m'avait dit, si tu dérapes, attention, s'il y a de l'eau, tu fonces dans l'eau, et là, tu ouvres les vitres, et tu sors comme une fée, alors, les vitres ouvertes, hein, l'eau, et tu sors. Et s'il n'y a pas d'eau, alors, tu ajustes, tu gères, et c'est ou l'arbre ou le fossé, mais tu ne freines pas, tu ne freines jamais, je vous
vous en prie, ne freinez jamais. Et nous, ça. Donc, deux routiers me font... Vous êtes en train de rentrer dans le livre des records pour la réponse la plus longue et la question la plus courte. Ah oui. Génial. Moi, je veux dire. Alors, la suite. C'est intéressant. Oui. Ça peut servir à des gens. Deux jeunes routiers à midi, midi moins le quart. Donc j'étais pas Yves, j'étais pas non, rien du tout. Deux jeunes routiers se font la course. Il y en a un qui déborde un peu. Il m'arrache tout le côté droit de la voiture. Et voilà, voilà, sur l'autoroute. J'arrive sur le fossé, je coupe le contact. Pouf. Et je suis enroulé autour du machin en dessous. C'est pas là. Possible. Et je peux pas sortir. Et on me désincarcère. Et pendant qu'on me désincarcérait avec la grosse pince, c'est très long quand même. On vous a coupé les cheveux en même temps. Je me disais, quelle chance. Alors je bougeais un peu mes jambes, je disais, quelle chance, je bouge un peu, et c'est ça, la voiture pour moi c'est ça. Très bien. Pardon. Oui, non, très court. Moi je vais... Alors Marc, moi, je vais surtout pas vous poser de questions. Hein? Non, non, mais je vais juste... Ce qui est un peu embêtant quand on vous reçoit, c'est qu'on dit tous la même chose, il y a une énergie débordante, et je vais juste dire que vous faites sûrement partie de ces personnes qui m'ont en tout cas donné vraiment envie de faire du théâtre. Évidemment. Donc, oh, voilà. Que c'est gentil. Voilà, parce qu'on était à l'époque de... Ah, ça me fait plaisir, l'envie d'écrire pour le théâtre. Ah, ça me fait plaisir. Vraiment, moi aussi, pareil. C'est en vous voyant, vous, Desmarais, Maillant, Paco, mais les autres, qu'on a eu envie, effectivement, de faire ce métier. Ah oui, ah oui. Vous avez aussi, avec votre papa, traîné dans les milieux des cabarets. Moi, j'ai lu ça dans une interview. Miss Tinguette, Maurice Chevalier, n'avait aucun secret pour vous. Ah, absolument. Joséphine Baker aussi. Mais bien sûr, mon grand-père était à la Société des auteurs-compositeurs. Donc, il était le meilleur ami, un des meilleurs amis de Maurice Chevalier. Donc, Miss Tinguette m'aimait beaucoup. Et j'étais au ras des bananes de Joséphine Baker. Dans les voix. C'est dans tout les... ce que je voulais entendre. Voilà, voici pour rendre un hommage à Joséphine Baker. Pour rendre un hommage. Pas du tout. Ah bon. Pour rendre un hommage à Joséphine Baker. Ah, je suis oui. sûr que vous êtes capable de chanter la tonkinoise. Ah non, pas du tout. Oh bah là. Oh. Pas du tout. Pas du tout. Sa petite, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. D'autres lui font les deux yeux, mais c'est moi qui aime le mieux. Vous voyez. Ça va, test réussi. Et comme vous nous regardez, j'en suis sûr, de temps en temps, ah oui. Vous connaissez la dernière séquence de l'émission. Oh, absolument. C'est... Eric et Lydie. Kikavuki. C'est parti. Alors, il faut reconnaître quelques personnalités prises en photo dans la presse ce week-end, ou ce lundi d'ailleurs. Attention, première photo. Un boxeur. Non. Un écrivain. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de boulot ce week-end. La police. Mais oui, le mec des Victoires de la Musique. Exactement, le président des Victoires de la Musique, Christophe Lamennière. Bravo, Maureen Dor. Oh, bravo. Moi, j'aurais dit l'organisateur de la manif. Non, c'est le président des Victoires de la Musique, Christophe Lamennière. Bah, bravo, Maureen. Ah oui, quel travail. Ah, ça, c'est du boulot. Vous avez eu des Molières, vous, déjà, Marc? Oui, bah, pour la présidente. Ah bah très bien, oui, parfait. Donc, oui, vous avez ce qu'il faut. Mais le directeur était mort. Alors déjà... Je l'avais annoncé, il y avait deux très bons spectacles, et j'ai dit, vous savez, comme notre directeur est là, c'est mort, c'est nous qui allons l'avoir. Autre Kikavuki. Oh, j'adore. Allez-y. Oh, c'est une très bonne. C'est Nicole Kidman. Ouais. Bravo, Nicole Kidman. Moulin Rouge, Moulin Rouge. Mais pourquoi, Nicole c'est Kidman actrice. Ça, je m'en moque. Ah non, je vous le dis, elle a reçu... Mais non, elle a reçu un ours à Berlin. Oui, mais elle a, enfin, elle a reçu un ours. C'est une récompense. Oui, oui, oui. Oh, oui. Oh, ouais. Pour le film The Horse de Stephen Daldry, où elle joue quand même aux côtés de Julianne Moore et de Meryl Streep. Meryl Streep aussi. Ça risque quand même d'être un superbe film. Autre truc on la reconnaît bien, là. Oh. Ah, bah c'est Dolly! C'est triste aussi parce qu'elle est morte mignon. Aussi. Hein. Ça, qui c'est? Non. Montrez son vrai visage. Oui. Voilà. Ouais, c'est Dolly. Vous l'avez reconnu? Non. C'est Stevie. Ouais. C'est quand même curieux, on clone une brebis, elle meurt au moment de la Eid el-Kébir. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est une brebis polie. Ah non? Colis, c'est pas une brebis, c'est un poney. Autre Kikavuki. Vous le connaissez très bien, Marc Mercadier. Ah, merde. Ce sont vos acquaintances politiques, comme on dit. Ah, on va alors y avoir un scandale.
Allez-y, Maureen. Bah, c'est Jack Lang. C'est Jack Lang, oh, exactement. En quelle année? En quelle année? C'est une photo oh, parue dans Marianne aujourd'hui avec Monique Lang. Ah oh, oui, c'est vrai. Oh, mais j'ai connu comme ça. Il va pas être content, Jack. Ah, si, si. Parce que je dis qu'il a fait un travail formidable et qu'il nous a rendu... Moi, j'avais le Théâtre du Vieux-Colombier à l'époque, j'avais pas d'argent et j'allais à Nancy engager des troupes polonaises, tchèques, avec ce qu'il proposait de merveilleux. Et c'était grâce à Jacques et à Monique. Merci Marthe Mercadier. Vous, on vous retrouve au gymnase. Maribel, à partir du 26 février, restez avec nous. Ah bon? Putain de soirée, juste le temps de dire au revoir aux téléspectateurs. Oh et